Coucou les CP, donc aujourd'hui vendredi 3, donc nous nous retrouvons après l'autodictée, j'espère que tu l'as bien réussi, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle leçon. Une nouvelle leçon, j'aimerais bien qu'on... C'est pas tout à fait une nouvelle leçon, c'est une leçon que tu as déjà vue, qu'on a déjà travaillé très très souvent ensemble sur le féminin et le pluriel. Alors, non, sur le féminin et le singulier. Alors le féminin, c'est quand est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, c'est par exemple avec un... Non, c'est pas avec un qu'on utilise le féminin. Le féminin, on l'utilise avec quoi? Ah oui, t'as raison. On l'utilise avec une ou avec... Avec, oui, la. La, par exemple. Ou ma, ou ta, ou ça. Et est-ce que tu peux me donner un nom commun, par exemple, féminin? Une... Ah oui, oui, une fille... Ou la fille, ou la maison. Oui, très bien. Tout ça, c'est du féminin. Quand on utilise les déterminants une ou là devant les noms communs, eh bien, c'est du féminin. Mais il y a également du masculin. Alors, le masculin, ça va être avec un, super, ou avec le. Le contraire d'une fille. Bravo, un garçon. Un garçon ou le garçon. Et puis on peut dire aussi le. C'est quoi ça? Ah, le tableau, oui. Le tableau, par exemple. Alors tous ces noms sont au masculin. Et bien maintenant, j'aimerais te montrer quelque chose. Quelquefois, pour le son « ei », eh bien, on peut l'écrire « e, i, l » ou on peut l'écrire aussi « e, i, deux l, e ». Pourquoi, d'après toi? Pourquoi, des fois, on écrit « ei » comme ça ou « ei » comme ceci? Eh oui, t'as raison. Quelquefois, c'est au féminin. Quelquefois, c'est au masculin. Et quand est-ce que c'est au masculin? Quand on écrit comme ça ou comme ça? Ah, quand il s'écrit comme ça, t'as raison, c'est du masculin. Et quand il s'écrit comme ça, donc c'est du féminin. On va vérifier ensemble. Alors, est-ce que tu connais des mots avec « ei » comme ceci? Oui, soleil. Soleil, on dit « le soleil ». Ou « un soleil ». Eh, hey, ça marche, c'est du masculin. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? Ah, pour me réveiller, il y a quelque chose qui sonne. Ça s'appelle le réveil. Ou un réveil. Et regarde le son « ei » comme on va l'écrire à la fin. On l'écrit comme ça. Quand je m'endors, eh bien, il s'agit du « je suis en plein, je suis en train de dormir, je suis... » C'est le « sommeil ». Le sommeil. Et regarde l'écriture de sommeil. E-I-L. À chaque fois, c'est E-I-L. On va regarder maintenant au féminin. Eh bien, quelque chose qui est merveilleux. On va dire c'est une merveille. Alors, une merveille. On va regarder l'écriture du son EI. EI. Deux L, E. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Alors, une merveille. Ah oui, les insectes. Les insectes avec les ruches. Ce sont les... Oui, les abeilles. Une abeille. Regarde comment on écrit une abeille. Une abeille. Le son EI, il s'écrit EI. Deux L, E. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Eh bien, là, dans ma tête... Ah, il y a la corbeille aussi. La corbeille de fruits, par exemple. La corbeille. Regarde. E-I. Deux L, E. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, quand c'est du masculin,
le son œil ou le son ouille va s'écrire œil. Le son ouille, il va s'écrire O-U-I-L, comme le fenouil, O-U-I-L. Et quand c'est du féminin, eh bien le son œil, il va s'écrire E-I-2-L-E, comme le son ouille, comme la grenouille, la citrouille, va s'écrire O-U-I-2-L-E. On va mettre 2-L-E quand c'est du féminin. On va mettre juste un L pour ces sons-là, quand c'est du masculin. Ben, je crois que tu as compris un truc et ça va t'aider à jouer maintenant pour la page 94 de ton manuel d'écriture.